dira. Ce n'est pas. Si vous m'envoyez en Afrique du Sud, je laisse votre fille tranquille. Ok. L'amour s'envole. Hein? L'amour s'envole. Bouche. Donc tu ne l'aimais pas? Je l'aimais. Je l'aimais. Mais, ah, on va faire. C'est un choix. Je suis obligé. Donc tu as choisi d'aller en Afrique du Sud et d'abandonner ma fille. Est-ce que j'ai le choix pour ça? Je vous ai parlé de ma mère, j'ai le problème. La santé de ma mère, c'est ça, c'est ça. Ah bon? C'est ça. Tu es prêt à vendre ma fille pour de l'argent? Est-ce que c'est ça que j'ai dit? Oui! Chérie. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Chérie. Mais je t'aime. C'est que ma mère est malade. C'est pas une blague, ma mère est au jugeage. C'est comme ça que tu sacrifies ta bien-aimée pour de l'argent. Tu l'appelles bien-aimée. Par rapport à quoi? J'ai mal fait de t'aimer. Je me suis pas assez sacrifiée pour toi. Moi-même, je me suis sacrifiée pour toi. J'ai risqué mon boulot. Je n'ai pas affronté mon père. Et comme tu sais à quel point je tiens à lui pour toi. Tu fais ça pourquoi maintenant, regarde. Assez! Arrêtez-moi tout ça. Et il fait même pleurer ma fille. Arrêtez. Ridicus. Oui, bouche. Est-ce que je te dois encore de l'argent en termes de salaire? Non, bouche. Hein? Pour le moment, non. Je te dois rien. Tu m'as donné 3 mois l'autre jour, donc c'est moi qui te dois même encore. Presque moi. Ok. Tu vas l'enlever et tu vas retrouver la porte. Hein? Je ne veux plus te voir ici. Ça veut dire quoi, Bouss? Je retrouve la porte. Bouss. Il te parle. Oui, oui, oui. Bon, ok, d'accord. Je reviens bien. Avec ma chaussure, ma chaussure. Hey! Ça va. Calme-toi. Vous les enfants, vous êtes toujours têtus. Calme-toi, ma fille. Vous êtes têtus. Tu te rappelles ce que je te disais? Faut t'asseoir. Viens, ma fille, viens. Ne pleure plus, ça va aller. Désolée, papa. Ça va aller. Calme-toi. Ça va aller. J'espère que tu comprendras. Tout ce que je peux te demander. Ouais, Guéra, je n'ai pas comme ça. Je n'ai pas comme ça. Guéra, je n'ai pas comme ça. Je n'ai pas comme ça. Guéra, je n'ai pas comme ça. Je n'ai pas comme ça. Tous les temps, tous les temps. C'est toi. Mais j'ai cru que c'était le bandit. Non, c'est pas le bandit, c'est moi. Hein? C'est quoi? Tu sais qu'on m'a chassé l'eau. Ah, j'ai oublié de te dire ça. J'ai oublié. Par rapport à ma maman, il t'a dit qu'elle était malade. Voilà, ma mère peut mourir. Et pour ça, alors, la proposition du patron, j'ai accepté. Angela, c'était un piège. Je ne te coupe pas. Oui, j'ai dit au patron que je suis chaud. Oui. D'aller en Afrique du Sud. Voilà. Parce que je voulais lui demander l'argent pour sauver ma mère. Finalement, elle m'a rien donné. Yeah. Elle m'a rien donné. Hein? Piège. Oui, c'est un piège. Hein? Maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a chassé de chez lui. Bon, je veux que tu m'aides. Allons supplier Blanche. Blanche? Oui. Non. C'est une bonne solution. Je savais que je tu sais que ta femme, c'est ma femme. Donc ta femme, c'est ma femme. Voilà. Il faut la supplier. Toi et moi, on peut se gâter aujourd'hui de mon salaire. Non, 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 non. Mais allons la supplier. Tu lui dis que je l'aime. Non, je vais lui dire. Faut lui parler de Fatal. Tu vois comment je barre la fille là pour elle, non? Non, j'ai la mélodie dans la bouche. Confiance. Je vais lui parler. Tu n'as pas confiance. Alors, j'ai un master A44+5. En diagonale. Là, je te reconnais. Voilà. Garde tout ça.
C'est là-bas. Ok, c'est superficiel. Ok. Alors, c'est là-bas. Donc, je me prépare déjà mentalement et physiquement et moralement dans la tête. Ça. Là, il y a le cerveau en train de tourner. Non. Il faut qu'on doit convertir et draguer encore d'ange de nouveau. Hein. Tu additionnes, tu multiplies, tu soustrais, tu divises. Voilà, je fais l'équation, je tape l'addition. Non. Ouais. On a quand même fait les mathématiques. Hein. Dao, c'est le chitois, c'est le doigt chitois. Il ne faut pas que le patron me voie. Qui est Koba? Pas toqué. Attends. Est-ce que tu as un problème avec moi? C'est moi. Tu ne veux pas démentir sur moi. Non, toque d'abord. Hey, Ticos, ne me vends pas. Alain, s'il doit être au boulot. Peut-être aussi. Voilà. Ici. Toque là-bas. On a répondu? Oui, c'est un peu. Donc aussi un peu. Toc d'abord. Hey. Dao, le soldat, le soldat. La mort. Tu es un soldat, tu es un soldat. Hey. Toc fort, toc fort. Personne ne répondu, hein. Tu es super. C'est qui? C'est le Coro. Je suis venu avec ton mignon. Qu'est-ce que tu es venu faire là? Hein? Qu'est-ce que tu es venu faire là? Je viens pour qu'on cause un peu. Ouais. Tu viens pour qu'on cause? Je t'aime, chérie, je t'aime toujours. Attends-moi là-bas. Blanche! Oui! Dis-le que je bats. Non, je vais lui dire. Voilà. Hein? Oui. Sois fort, sois fort, Angela. Voilà. Sois fort. Un soldat. T'approches le troisième gars. Ouais, blanche, je suis venu avec ton chou lapin. Voilà. Toi, tu la fermes. Hey, tu la fermes, tu la fermes. Hey, qu'est-ce que c'est? Hein? Tu la fermes. Va aller là-bas. Voilà. Va aller là-bas. Chérie, je t'aime. Il t'aime. Il te l'aime. Alors, tu crois qu'il suffit que tu te pointes ici et que tu te joues aux amours pour que je puisse revenir dans tes bras, c'est ça? Qui, moi? Oui, toi. Non, c'est que ton père l'a érigé. Tu vois, voilà. J'ai fait ça parce que ma mère est mourante. Mais là, voilà, elle est mourante. Là, j'ai une thème. Critique où ça creusait, ça se tombe hier. Voilà. 2,50 m, lui, voilà. Il a dit que. Ça sent. Il a tué à Judé 10 après. Oui. Tu n'as pas Judé 10. Ouais. Il a dit que si tu ne reviens pas en lui, en son amour, qu'il t'aime, tu es son billet d'avion, tu es tout pour lui, tu es son chococlo, tu es son choupidou, tu es. Laisse. Parle. Chérie, c'est parce que ma mère est malade que j'ai accepté. C'est pour ça. C'est même malade. Je voulais que ton père me trouve un peu d'argent. Mais vrai. Tu vois, au début, j'ai refusé, non? Ouais. Moi, je ne peux pas vendre l'amour que j'ai pour toi pour l'argent. Vrai. Tous les jours, je bagaille ça avec ta mère. Il a la foi. Parce qu'elle dit que je te laisse. Moi, je t'aime, chérie, je t'aime. Il a la foi. C'est un homme de paix. Embrasse-la. Soldat. Sois fort, sois le courage. Prends le courage. Hey. Tu veux le tuer comment? Plus jamais de ta vie. Plus jamais. Je parle à toi. C'est toi là-bas. C'est à toi que je parle. Tu reviens ici? Après tout ce que tu m'as fait? Tu as fait quoi, Angela? Tu m'abandonnes? Tu m'as presque détruit avec ma famille? Tu as envie de plaindre? Et tu veux que je te pardonne facilement comme ça, là? Je l'ai, non. Ce que tu dis que c'est l'amour de ma vie et tout. Reviens. Je suis désolée. Je ne veux plus jamais te revoir. Plus jamais de ma vie. Blanche. Et comme j'ouvre les yeux, je ne veux plus te revoir avec ton ami. Sinon, j'appelle mon père. Je compte que... Il est là. Je dis, je suis déjà en train de décompter. Et tu es toujours là. On va partir. Hein? Ça va. Blanc, laisse critique quand tu me prends. Laisse critique quand tu me prends. Ton père. Son père. Son père. Bande d'idiots finis. Quand je pense que j'ai aimé ce rigolo, vraiment. Mes parents avaient raison. Je méritais mieux. Gira, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Angela. C'est quoi? Non. C'est quoi? Ne me fais pas. Gira. Je
vais mourir. Explique-moi la situation. Ma mère est morte. C'est pas parce que je t'ai donné 10 000 autres jours. Ce n'était pas un prêt. C'était pour aider ta maman. Pardon, ne n'annonce pas la mort, ne tue pas ta mère à cause de 10 000. Elle n'est pas pour 10 000. Ma mère est morte. Je vais tuer ma mère pour 10 000. Elle est morte. Yeah, ma mère. Attends d'abord. Stop. Tu pleures seul. Hein? Tu pleures seul. Où est Blanche? Tu as appelé Blanche? Non, j'ai pas appelé. Attends. Appelle Blanche. Attends, j'appelle Blanche. Yeah, la mère. Hey, non. Ouais. J'ai laissé mon téléphone à l'hôpital là-bas, à la morgue. Oui, à la morgue. On a cherché. Hey. On appelle Blanche. C'est grave. Je dois l'appeler. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Wengira, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas. Copine, bonsoir, qu'est-ce que j'entends là? Parce que finalement, tu as laissé le gardien là. Finalement, tu as écouté mes conseils. Ah, je suis troublée actuellement. Je suis troublée, je sais même plus quoi penser en fait. Je croyais avoir trouvé le véritable amour, mais je me rends compte désormais que je me suis trompée. Non. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'en rends compte? Ce sont mes parents qui m'ont fait ouvrir les yeux le concernant. Voilà. Je t'avais dit. Mon père a utilisé la ruse. Il lui a proposé un deal selon lequel il devait s'envoler pour l'Afrique du Sud et avoir une vie meilleure. Ce dernier a accepté. Il a troqué notre amour en contrepartie de l'argent. Je t'avais dit qu'il était là pour de l'argent. C'est parce que quand on est vraiment amoureuse, on dit que l'amour a envie. Je t'avais dit qu'il était là pour de l'argent. Finalement, comme tu as ouvert les yeux, comme tu as vu. Je me sens vraiment stupide en fait. Je me sens mal. Je veux vraiment profiter de l'occasion pour te demander pardon vraiment pour t'avoir chassé. Tu avais vu juste. Moi, j'étais aveuglée. Vraiment, je veux que tu me pardonnes. Mais si c'est ma coupée, je veux te pardonner. Tu m'as coupé. Tu m'aimes pas. Tu m'aimes plus que la coupée. Tu aimes ça. Je te parle. Attends. Tu vois mal là. Quand on parle du loup, on voit sa queue. Il a encore un kilo est appelé. Attends, je vais quand même écouter ce qu'il a dit. Oui, allô. Oui, allô, j'ai compris, je vais te rappeler. Pleine de quoi maintenant, ma copine? Il pleut pourquoi? Il y a eu quoi? Tu sais, il m'avait parlé de sa mère qui était malade. Elle vient de décéder. Tu es sûre que c'est vrai? Tu penses que c'est le modèle? Non!
Il ne ment pas. Moi, je suis répétée, il fait ça pour que tu reviennes à la raison, tu le pardonnes. Non, mais je ne peux pas prendre de décision comme ça. Il faut que je vérifie de moi-même. Okay, si c'est pour la maladie de sa mère, j'étais au courant. C'est mieux. Mais qu'elle soit décédée comme ça et en plus, à cause de... C'est mieux que tu vérifies quand même. C'est mieux. Ça me fait mal parce qu'on n'a pas pu l'aider. On n'a pas pu l'aider. On l'a laissé mourir. Il a perdu sa mère. Tu vois, compte moi à quel point j'étais égoïste. Je te comprends vraiment. Je te comprends. Mais il faut d'abord vérifier d'abord si c'est vraiment réel, que c'est vraiment vrai, que sa mère est vraiment décédée. Non, je dois vérifier. Je dois vérifier. Je te propose qu'on aille au salon, hein. On se prend quelques verres là et on essaie de... Signe ma coup de pensée à ça. Tu m'as sorti. Ok, on va. Gira, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ouais, Gira, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Gira, ce n'est pas comme ça. Hé, c'est le coro. Tu es là. Je suis là, c'est normal. Hey. Ma belle-mère, je n'ai rien pour dire. Donc tu vas m'accompagner au village. Mais que qui d'autre devait t'accompagner? Merci chérie. Merci. Merci mon amour. Donc je suis pardonné. Pardonné par rapport à quoi? Que tu as fait quoi? J'ai dit, comme ton père m'a promis le voyage, j'ai fait. Chérie, tu n'as rien fait. Hein? J'ai compris que si tu as accepté le deal de papa, c'est parce que c'est par rapport à maman. Hey, comme elle était malade, c'est ce que j'essayais de t'expliquer. C'est ce que je te dis donc, que tu es pardonné. Tu ne te pardonnes, tu te reposes de rien. Merci, merci, okay. Merci de m'avoir compris. Voilà, parce que tu sais qu'au début j'ai refusé ton voyage pour l'Afrique du Sud. J'ai refusé parce que l'amour que j'ai pour toi. Je sais, ne parlons plus de ça. D'accord. Donc, comme tu m'accompagnes au village, hein? Et on fait comment? Non, mais je ne vais pas partir seul. J'attends ma tante, la Black Lady. Black Lady? Oui. T'attends donc, tu me parles. Celle qui vient soir la mission, que la dit, oui. J'attends. Elle a dit qu'elle va m'accompagner. Hey, c'est que... Hey. Donc, elle est au courant de l'autre. Elle est au courant, chérie. Oui. C'est la seule personne qui me comprend. Seigneur, si c'était même ta mère qui peut comprendre comme ça. Si c'était ta mère. Ouais. J'ai seulement menti avant d'arriver ici. Ah. J'ai dit que je partais à une excursion là, à Yaoundé. Tu es forte. Donc, ça veut dire Black Lady alors. Ok. Attends. Je sais comment dans la tenue. Ça, c'est la tenue du deuil. L'uniforme du deuil, tu vois. Tu es très beau, mais je suis fâchée. Fâchée encore, pourquoi? Mais parce que tu ne m'as pas dit. On devait coudre, on devait normalement être en ensemble. Excusez-moi. Comme depuis tu fais des caprices là, que j'ai cru que le mariage est fini. Ça j'allais te dire. Est-ce que je savais même que tu m'as venu? Parce que je t'ai appelé depuis 14 heures. Regarde à l'heure que tu vis. Le temps ne convainc que les parents. Tu fais aussi, tu ignores ce que mon père a dans la tête. Tu m'as dit oui. Non, si. Non, tu m'as dit j'arrive, mais vrai, je ne croyais pas. Je croyais que tu es toujours fâché, vrai. Hey, attends. C'est quoi? Il y a tata là. Ah, la glisse. Oui, allô, tata. Tu es à l'agence? Ok, on arrive. Non, on ne traîne pas. D'accord. C'est Tata Black Lady. Oui. Elle dit qu'elle est déjà. Ah, ok, ça tombe bien. Bon, chérie, qu'est-ce qu'on fait? On va à la maison, non? Je prends les valises et on part la retrouver à l'agence, d'accord? On voyage en personnel. Il n'y a pas de problème, comme tu veux. Alors, je prends la valise. On retrouve Tata là-bas. Je t'aime, chérie. Moi, je t'aime. Je t'aime, chérie.
Guerra, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Tous les temps, les problèmes. Tous les temps, tous les temps. Tous les temps, tous les temps. Les problèmes, oh. Tous les temps, tous les temps. Guerra, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ouais, Guerra, ce n'est pas comme ça. Allô, tata. Oui, bonsoir. Oui, tata, vraiment, c'est toi qu'on attend. Hein. Tout le monde est déjà là. Je suis assise dehors, tata. Ok, pardon, ne mets pas long. Maman est déjà pressée. Ok. Ok, tout à l'heure, tata. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Ça va, je vais bien, merci. Je cherche Criticos. Criticos? Quel Criticos? Le vigile. Et vous le cherchez pourquoi? C'est mon gars, maman. Votre gars, comment? Je comprends pas. On soit ensemble. En fait, je suis. Je vous explique ce qui se passe. Ok. Je suis la femme d'un conseil, il travaillait chez moi avant. Lui et moi, on a eu des relations. Nous sommes ensemble, on traite ensemble. Ok. Depuis alors, je viens, il me repousse. Je ne sais pas quelle fille vraiment a eu la chance de l'avoir comme ça, parce qu'à parmi les gars fidèles. Donc, depuis là, je le cherche, rien du tout. Il me repousse. J'ai même vu son ami aussi qui est vigile comme lui. Il me repousse toujours. Moi, je comprends pas. Je ne sais pas si vous pouvez me dire vraiment. Je suis désolée, madame. En fait, effectivement, on avait un Criticos qui travaillait ici avant, mais il ne fait plus partie de notre effectif. Il ne travaille plus ici depuis un bon bout de temps. Et comment je peux faire pour le voir? Je ne sais pas. Si vous saviez où son ami est situé, vous pouvez aller le voir pour qu'il vous donne plus d'informations concernant. Merci, madame. Ok, bonjour. J'espère que ça, j'ai quand même pu vous aider quelque part. Merci, je vais m'aider. Ok, merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour, madame. Merci. Ce n'est pas comme ça. Je suis vraiment désolée si j'ai eu à faire, suggérer cette petite réunion. C'est juste parce que ma nièce est venue me voir, elle m'a posé un problème. Et j'ai trouvé idéal de pouvoir faire une petite séance pour qu'on puisse trouver une petite tête pour essayer de le comprendre. Selon comment elle m'a expliqué, moi je pense qu'elle est totalement amoureuse de ce jeune homme. Et nous ne pouvons pas voir que notre enfant est amoureuse et on le laisse comme ça. Soit, vous voulez qu'elle fasse ça derrière, et puis demain, elle vient avec un cancer grossesse, moi je ne sais pas. Donc le mieux, c'est qu'on puisse l'écouter et comprendre pourquoi elle insiste là-dessus. Parce que l'amour n'a pas de frontières. Chérie, qu'est-ce que tu en penses? Tout à l'heure, là, je pense que c'est normal ce qu'elle dit. Si elle le dit, c'est qu'elle a une expérience, elle a vécu quelque chose de vrai, peut-être avec eux. Bon, tout à l'heure, là, ils étaient main dans la main. Oui, tu n'as pas constaté. Sur ce, c'est toi qui auras le dernier mot. En même temps, l'amour n'a pas de frontières. Peu importe ce qui soit. Gardien ou pas, si notre fille a déjà fait le choix, nous devons les accompagner, s'il te plaît. Ça va, Blanche, alors compte-moi. Tu peux m'expliquer? Ok, merci, papa, de m'avoir donné la parole.
En fait, après notre séparation, Kritikosa insistait dans les appels. Il voulait toujours me voir. Et j'y suis allée. Ça, je suis au courant. Tu m'en as parlé. Va droit au but, je vais mieux comprendre. Il m'a expliqué le pourquoi il a accepté la proposition. Il l'a fait parce qu'il voulait sauver la vie de sa maman, qui malheureusement n'est plus des nôtres. Elle est décédée. Ça va, ça va, ça va. Continue. C'est vrai que sa mère est décédée parce que je suis allée dans son village en compagnie de Tata. Elle m'a accompagnée durant son voyage. Je comprends pourquoi. Elle m'avait dit qu'elle allait. Elle nous a dit ici qu'elle allait à l'excursion. Dont les enfants peuvent tuer. L'amour. Je suis allée avec elle parce que c'est elle qui m'a toujours compris dès le départ. Et... Bien, ça va. Blanche, est-ce que tu l'aimes? Oui. Est-ce que tu l'aimes? Oui, papa. On s'aime. Tu as quel niveau d'études? J'ai le baccalauréat de l'époque. Donc, bac à quoi? Baccalauréat de l'époque. De l'époque? Oui, en 94. Le vrai baccalauréat. Bien. Le problème, c'est que ma fille ne peut pas sortir avec un gardien. Pour cela, mon épouse et moi, nous allons tout faire pour te trouver un bon boulot. Merci, papa. Merci. L'amour. Non. Actuellement, si tu passes quelque part, il y a un caillou là. Le caillou se déplace. Tu traverses d'abord. Et ça se déplace pour attendre les chichas. Oui, j'ai béni. J'ai béni. Bien. Vous êtes béni. Vous avez ma bénédiction. La bénédiction de Dieu également. Amen. Merci, papa. Merci, papa. Merci, dialogue important. Tu vois, c'est les enfants, mais il appelle encore notre jeunesse. Je te dis. Tu sais que j'ai beaucoup souffert pour t'avoir. C'est une vérité. Voilà. Tu es ma vraie belle-mère. Enlève les choses. Bien, Blanche. Okay. Mon beau, ou alors mon futur beau. Les beaux, les beaux. C'est le beau déjà. Les beaux, les beaux, les beaux. Black Lady. Comment on le dit? Ma chérie bien-aimée. Oui. Et moi, nous allons nous lever et faire la collade de bénédiction. Au nom de l'amour. Gira, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça.